Yo les gars, c'est Roulian et aujourd'hui les gars on se retrouve pour la suite de Mike Avenger avec l'AS Saint-Etienne. Et je fais cette vidéo à la suite du dernier épisode, yes. Donc je préfère le dire tout de suite parce que du coup bah je m'en suis toujours pas remis. Là les deux défaites en championnat ça fait très très mal. Surtout encore bon PSG à l'ami je m'en fous tu vois parce qu'on fait un bon match en plus et c'est PSG tu vois on s'en fout. C'est logique mais Lyon là je gagnais 2-0 à domicile, je perds 3-2, je rate des occasions de ouf. Et voilà, Ruffier, enfin le bug du gardien qui bouge pas, c'est un plot. Me fait perdre le match. Du coup, je suis dégoûté. Bah du coup, là, il va falloir se rattraper. Contre Dijon, on gagne absolument contre Dijon, il n'y a pas le choix. Enfin, de toute façon, il faut battre Dijon et l'OM. Même l'OM, ça va être très compliqué, mais il faut gagner pour espérer revenir. Je vais mettre l'équipe type contre Dijon alors que bah, il y a la fatigue, mais c'est pas. Je veux pas me permettre de faire tourner en championnat. Je préfère faire tourner en coupe contre l'OM. De toute façon, on est déjà en finale contre le PSG, donc voilà. Même si la fatigue, c'est pas grave, à la limite, je peux peut-être. On va mettre Kazri à la place de Cabella. Et le petit Salibur à la place d'Amouma. Ouais. Hop. Non. Comme ça. Et puis sinon, je pense qu'on est. On va mettre Balanta aussi. À la place de Senes. Balanta, il est bon aussi, mais j'ai quand même envie de garder la base de l'équipe type. Voilà, on va partir comme ça, les gars. Du coup, on est parti pour le premier match de cet épisode. Victoire, là on doit les défoncer Dijonais, pas le choix. Allez pépé. Allez, faut centrer, c'est le moment. Balanta contre le frappe. Ah. Le défenseur qui contre ce ballon. Oh, il s'est foiré là, il s'est foiré. Le centre. Oh Mvila ! Oh ! Quel but ! Quel but d'Mvila ! Oh là 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 ! Oh quel but d'Mvila, incroyable ! Oh non ! Oh là là, le ralenti, le plus beau but que je mets de ma vie là. Oh Mvila. Oh Mvila. Oh là 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 là, incroyable. Oh quel but. Quel but les gars. Oh là, c'est incroyable. Mettez-moi en commentaire, commentez, likez, partagez, sucez, faites tout ce qui rime en et là pour ce but parce que c'est incroyable. Surtout Mvila quoi. Bon après je sais que ouais, c'est cheaté les retournées cette année, mais celui-là il est magnifique. Sauf que moi les retourner personnellement c'est cheaté mais j'en mets très peu. Et celui-là mais qu'est-ce qu'il est beau putain. Oh là 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 là. Ah là c'est bon j'ai oublié le derby la déception parce que là il m'a régalé. Il m'a régalé touche la Mounier. Oh là là je vais m'enflammer pour rien dans ce match. C'est bon. Allez. On en met d'autres, on en met d'autres. La caserie. Oh Mvila. Mvila. Ouais non ok bon. C'était un peu trop simple pour lui. Là j'ai gardé la frappe aussi là c'est ma faute. Mounier, dommage. Allez. Attention. Attention. Oh non, mais non. Ça gâche tout là. Putain, ouais, j'avais plus son nom tout à l'heure. Bah là, je me rappelle très bien. Marquage, j'ai eu tout seul. Sérieux, entre. Bah oui. Ah non, c'est Marezic. Marezic, je suis pas sur le banc. Putain, je vais remettre Perrin titulaire, c'est sûr. Je suis dégoûté là. Allez, il faut absolument gagner. C'est bien de mettre des beaux buts, mais bon, si on gagne pas. Allez, Marezic, rattrape-toi. Allez, allez. Tu fais l'amour là. Allez, Mvila. Meilleur joueur de ce match pour l'instant. Allez, Pépé le contre. Ça va vite. Oh, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Non, il n'y a pas hors-jeu. Oh, Mounier. Oui. Bien joué, mon buteur. Ça, c'est pas Johnny. C'est pas Beric. Il y a une case. Il la met. Point barre. Super, Pépé. Ah j'ai eu peur qu'il arrête là, j'ai ralenti en plus, j'avais peur que le défenseur arrive à revenir là. Il va finir meilleur buteur mon gars. Il va finir meilleur buteur de mon équipe alors qu'il aura joué une demi-saison. C'est ça qui est beau. Ouais c'est, on fait un bon match. Mais Dijon intéressant, bonne équipe de Dijon aussi hein. Donc voilà, pour l'instant 2-1 c'est logique. On reste à demi-temps donc on va essayer de rester concentré. Oh la passe à chier frère. Mais ouais, faut absolument gagner. Donc c'est mettre le break. Oula attention, allez des Kolodziejczak. Oh non, non, non. Incroyable, c'est incroyable. Oh là 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 là, j'ai jamais de repos, sérieux. C'est incroyable, le centre là, abusé. Les marquages ratés de Debuchy. Oh, mais toujours le premier poteau Ruffy, il est rincé. Il a pas le droit, il a pas le droit. C'est encore Ruffy, il me saoule. Non oui il la met bien mais pff, premier poteau sérieux c'est une règle d'art. Attention Tavares il est parti en profondeur.
C'est le blague, le marquage, c'est le blague. Putain, pour une fois, Ruffy fait un arrêt là. Sérieusement, défensivement, c'est. Waouh. Perrin, il va retrouver sa place. Hein. C'est moi qui te le dis. Allez, c'est beau. Mais tu l'as mis. Je commande pas, j'ai pas envie de commenter ce but. La vie de ma mère, la vie de ma mère, je demande même pas à mettre dans l'axe. Je mets le côté opposé, non. La défense, c'est incroyable. Voilà. Mounier, putain, c'est le seul qui. Qu'est-ce que je ferais sans lui? Si je serais encore avec Johnny Beric, on serait relégable. Heureusement que je le mets là, parce que là, ta tête elle est magnifique quand même. Hyper dur à la mettre, bien joué. Heureusement qu'il est là, Mounier, sérieusement, 6ème but pour lui. Que sacré match quand même pour entamer un épisode, 6 buts pour l'instant. On mène deux fois au score. Et puis finalement, bah, ils prennent l'avantage, on revient dans ce match. Mais vraiment, le match de ouf, le match de ouf. Offensivement, on est bon, défensivement. Arrêtez, arrêtez avec l'engagement, putain. Tavares, c'est un poison là. C'est attaque-défense là pour l'instant. Mais non! Mais arrête! Marizy, je t'ai rincé la vie de ma mère, ton match. Non, non, mon gars. Si je me prends un but à cause de Marizy, je pète un plomb. Oh, Ruffier. Là, par contre, Ruffier, je t'aime. Là, sur ce coup-là, tu me sauves. Tu m'as fait perdre des points, mais là, tu m'en as sauvé cette action. Bien joué. Allez, le contre. L'autre côté, pépé. Putain, allez, c'est le moment où jamais, les gars. C'est le moment où jamais. Mais non, Mvilla, t'étais parti, tu t'es arrêté. T'es rincé, Mvilla. Non, je rigole. fais chier, tiens. Encore deux points de perdu. Ça me casse les couilles. Pff, voilà. Bon, allez, pour le plaisir. Pour le plaisir, on le revoit. Oh, il est magnifique, mais c'est pas assez pour me redonner le sourire là. Bon, vas-y, on se le regarde encore un peu. C'est vraiment, il est. Oh là là, il est incroyable, il est incroyable. Mais ça me. On perd encore défensivement, c'était une catastrophe. Par contre, franchement, Dijon, ils ont fait un très bon match. Faut aussi dire à ce qu'il est, ils ont fait un très bon match. Tavares, très bon joueur. Mais non, Marizic, dégueulasse. Subotic, pas bon aussi. Perrin, il va retrouver sa place de titulaire. Mais putain, ouais. C'est très compliqué, c'est très compliqué. On va enlever Marizic là parce qu'il a des stats assez impressionnants dans, voilà, dans ce registre. Je sais pas. En dribble, ça sert à rien. En passe, ça peut être pas mal parce que là, la passe qu'il fait, frère. Hop. Gumni, on va améliorer en passe aussi. Il me fait une passe ratée aussi la dernière fois là. Le PSG. Merde. Le PSG là, donc ouais, ouais, c'est d'améliorer ses passes. Hop, on simule. Ampadu qui passe sa 68 de général. Bien joué. Putain, là ça va être compliqué, les gars. En plus, enfin, personnellement, je me vois pas battre l'OM avec l'équipe B. Hein, pff, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Si je perds, là si je me fais éliminer et que je perds en plus derrière contre l'OM, c'est la cata. C'est vraiment la cata. Mais bon, on va voir. Hein. Du coup, Perrin, bah, il va être titulaire forcément. De toute façon, c'est l'équipe B. Donc, ceux qui n'ont pas joué le dernier match vont jouer maintenant. Ducé, Ouya, Nordin et Amouma. Non, on va plutôt mettre comme ça. Voilà. Et bon, on est parti pour ce match. On va essayer de faire ce qu'on peut. Essayer de chercher la qualif, hein, forcément. On joue pour se qualifier. Kabela face à l'ancien club. On espère qu'il va faire son taf et work. Il faut qu'il marque des points aussi. Allez, Romain. Osenes. Osenes. Osenes, c'est pas un buteur. Oh, c'est pas un buteur, mais il l'avait quand même. Bien joué, Osenes. Voilà, il veut montrer qu'il a encore sa place de titu. Le jeu du UC. Poteau rentrant en plus. Beau petit but. Premier but forcément pour lui en Coupe de France. Bien joué. Maintenant on va se concentrer parce que bon, on sait que ouvrir le score assez rapidement dans le match avec un beau but, ça va rien dire. Je suis la gamme là. Yes. Mais ça fait plaisir quand même. Non, pas son engagement. Allez, en pas de accroche-toi. Allez.
Oh, Ruffier, depuis que j'ai critiqué là, il est pas mal. Enfin, pas mal. Allez, Nordin. Allez, Nordin, la vitesse. Allez, mon petit. Monte ce que t'as dans le ventre. Bien joué, le centre. Oh, super, Nordin. Bien joué, Romain. Allez, corner, les gars. Avec un Padou. Un Padou. Bien joué, un Padou. J'aime bien son nom. Un Padou. Allez, Arnaud. Ah non. Oh, j'ai fait le faucher là, violent. Allez, on serre les fesses. Bien joué, Ruffier. Voilà, allez. Non, mais par contre, la passe, elle est pourrie. Akumni, s'il te plaît. Oh, j'en étais sûr, j'en étais sûr. Oh, je suis fou. Oh, c'est incroyable. Je suis nul pour tenir les scores, c'est incroyable. Toutes les fois où je joue le score, je me fais rejoindre. Oh là là. C'est là, Akumni, là, c'est beaucoup trop juste. Tu vois, des. Voilà. C'est mon coup franc, mais c'est là, Debuchy, tu vois, il n'y a pas but. Hein. Mais bon. Il est parti, Cabella. Allez, Rémi. Boum. Ah, dommage. J'aurais espéré qu'il la relâche. Voilà, mi-temps, but partout. On fait un bon match hein, contre l'OM avec l'équipe B. On n'est clairement pas inférieur à l'OM dans ce match. On voit les stats. Voilà, hyper équilibré. Donc le nul est logique. Voilà, non, j'ai pas de commentaire à faire. Gumli, trop juste. Voilà, on voit, il, physiquement, faut qu'il mange un peu encore. Qu'il pousse un peu la salle parce que là, voilà, il est. Voilà, il est trop juste. En Padoue, franchement, en Padoue, on a pas l'impression qu'il a aussi peu de général. Parce que là, franchement, c'est pas comme si c'était le Paris FC, c'est contre l'OM, il a joué contre des grosses équipes, PSG, etc. J'ai toujours trouvé bon, donc. Pas non plus le mettre titulaire, mais pourquoi pas, à la limite. Du coup, le côté positif, c'est que l'OM a l'équipe type, donc peut-être qu'ils vont pas mettre l'équipe type pour le championnat. Hein. Oh, Cabella, magnifique, oh, ce qu'il a mis. Ce qu'il a mis, Cabella, écarte. Mais bon, non. Mais ça a pas sélectionné Nordin. Oh, la blague. Oh là, pour un bug, putain. SNS. Oh, putain, je suis dégoûté, mais pourquoi. Mais putain, sacré match du C. Oh non, tu devais l'avoir, là, du C. Moi, j'ai rien dit, du coup, match de merde. Voilà. Ouais, je préfère en rigoler parce que là, oh là, là. Voilà quoi. Germain en plus ça pique hein. Voilà, je sais pas quoi dire. En Padou qui pour moi il doit l'avoir et pour moi il a moyen de l'avoir en Padou. Et Silva, je te demande de faire une passe et je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas si c'est un contrôle raté ou si c'est bien une passe qu'il tentait. Et voilà, c'est pas mérité mais bon on marque pas donc derrière hein, forcément. Oh là là. Jouer. Oh, allez. Bien joué, mais bon. Allez, Luc Perrin. Allez, Wea. Allez, Silva, c'est ta faute le but. Hein. Bien joué. Yes. Bien joué, Romain. Voilà. 88ème minute de jeu. Belle action. Bien joué Cabella, très gros match de Cabella. Je me suis appliqué, bien joué Romain. On arrache les prolongues les gars. Peut-être le petit 4-4-2 qui est peut-être bien fait de mettre ça. Du coup par contre j'ai remis en équilibré, du coup bah, ça change tout le système et les joueurs de poste. Ah non même pas les joueurs. Non ça va encore. Wea, Cabella, Nordin, ok on est bon. On est bon. Sauf que là-bas c'était Nordin. C'était Nordin qui était à droite. Donc si c'était Nordin, je suis pas sûr qu'il aurait mis. Mais attention à pas se prendre un but en engagement. On est capable de franchement de débarquer à la 89ème et de quand même pas aller jusqu'en prolong. On est capable de ça. Non ouais, Gumi, putain, ça va être compliqué. Non, c'est bon, pas sûr. C'est bon, c'est fini. Bien joué. Oui, devant. Où il est passé devant Ducé. Oh, Ducé, la passe. Wea. C'est pas fini, Romain. Oh non, ça a taclé, mais Wea. C'est pas un buteur, Wea. Si tu dois les mettre normalement. Allez, accroche-toi, accroche-toi. Allez, Silva, accroche-toi. Oh, le centre, et Gumi. Bien joué, Ruffier. C'est mon Gumi. J'ai l'impression qu'il fait 1m12, sérieux. Putain, non. Non. 122ème minute de jeu. Non. Bien joué, Ruffier, c'est bon. Allez, voilà. Penalty, les gars. Je le disais tout à l'heure, mais c'est vrai que ça va être compliqué parce qu'on n'a pas vraiment de tireur à part Cabella.
Alors que l'OM, ils ont pas mal de tireurs de pénaux. Voilà, on domine, mais on a pas. Bref. Si, Amouma quand même après derrière. Ouais. Eux, ils ont Thauvin, Ocampos. Oh non, en fait, ils sont pétés. Non, ça va. Mais ça, comme nous, ouais, on a deux vrais tireurs après le reste, c'est que ça fait peur. Putain, 56 en pénaux, Arnaud. Pourquoi Silva il a plus en pénaux alors que bon, c'est un défenseur quoi. Faut faire quand même mettre Nordin. Hop, oui, en troisième. SNAS. Hop, à place de Dieu, c'est voilà. Allez, les gars! Putain, j'aime pas commencer! Allez, Rémi. Allez, Rémi. Bien joué, quand on a 5 clubs en plus. Allez, Steph. Allez, Ruf. Face à Thauvin. Yes, bien joué! Allez, Romain. Allez, Romain Mouma. Bien joué, contre-pied, parfait. 2-0. Allez, Ruffy, hein. On l'arrête ça là, on se met bien. Oula, sa course d'élan est bizarre. Sa course d'élan est bizarre. Bien joué, Ruffy! Oh, on est bon là, on est bon. On la met, c'est pratiquement plié. Hein. Il faut la mettre. Yes, Weah! Ça sent bon, balle de match. À ma vie, qui est pas non plus un tireur et que c'est exceptionnel. Mais c'est que c'est lui qui va la mettre. Oh le bat. Oh oui! Le poteau! Oh, il va rincer les Marseillais là. Vas-y, j'ai même pas envie de. Je vais voir mon Mandanda. Dans ton cul! Oh oui, juste devant mon Mandanda, c'est beau. Ah, il m'avait baisé en plus, hein. J'avais clairement parti de l'autre côté. Et le poteau, voilà. Ils ont tenté deux Panenka sur trois pénalty quand même, si vous osez. Et voilà, victoire méritée. Qualification méritée, donc je suis plutôt content. Donc là, clairement, l'objectif en coupe, on est pas mal. L'objectif, c'est gagner au moins un trophée. Le problème, c'est qu'on se tape le PSG en finale en Coupe de la Ligue. Donc là, en Coupe de France, il n'y a pas le. Ah, si, putain, le PSG, ils sont qualifiés contre Dijon en plus. Ouais, moi, c'est d'aller le plus loin possible. Hein. Si on peut faire deux finales, ce serait beau quand même. Après, c'est pour perdre les deux, ce serait moins beau. Putain, ouais, on est sixième, les gars. Et c'est pour ça qu'il faut gagner. Hein. Personnellement, je préfère perdre en coupe et gagner en championnat. Alors, ah oui. Alors attendez. Hop. On regarde tout. Voilà. Rapport de recruteur, oui, parce que j'ai un joueur talentueux donc dans le catalogue. Alors je voulais pas. C'était pour une autre carrière, mais j'ai eu avec Saint-Etienne. Donc je me suis trompé. Donc bon, bah on prend quand même. Hein. Donc il a 15 ans. AT 1m72, ok. Bon, mais de toute façon, on l'utilisera pas parce que, bon, à mon avis, je vais faire 3 saisons dans cette carrière, sauf qu'il fait 19, donc en 3 saisons, il n'aura pas le temps de vraiment devenir intéressant. Le transfert pour Nordin, non, le garde. Il est pas mauvais, Nordin, c'est un bon remplaçant, joker de luxe. Hop. Du coup, là, c'est le match, faut gagner. Personnellement, je préférais leur laisser la coupe et gagner en championnat. Du coup, la compo. P1. Ah, oh, ouais, il a pris un plus 1. Bah non, bah, j'ai pas chaud parce qu'il a la fatigue, donc, ouais. Balanta. Je préfère Cabella, mais bon, là il y a la fatigue, donc du coup on va mettre Casri. Et on va mettre Saliburne aussi, du coup. Il est là, le petit Saliburne, bim. Hop, voilà, on va partir comme ça, les gars. Victoire obligatoire. Ah non, attends. Bon, c'est pas grave. Non, non, j'ai rien dit. Je voulais voir le classement, mais c'est pas grave. La flemme de quitter et revenir. Donc, du coup, c'est parti pour ce match. Au Vélodrome cette fois-ci, donc c'est un peu plus compliqué. Allez, Colo. Allez, mon pote. Bien joué, Salibur. Allez, Salibur. Allez, Salibur, le centre. La tête. Oh oui, Elvila, mais il est incroyable, Elvila. Bien joué, petit. Et voilà, on n'entend plus les Marseillais, là, ça fait plaisir. Bien joué, Salibur, très beau centre. Je pensais pas qu'il allait la mettre, Salibur. Elvila, pardon. Ah, la tête, elle est magnifique. Il marque à une villa, franchement. Quel joueur, qu'est-ce qu'il est important pour moi. 5e but en Ligue 1 pour un milieu défensif, c'est juste magnifique. Du coup, on est très très bon. Mais ouais, c'est pas mérité. Ils faisaient meilleur entame que nous, les Marseillais. Mais on prend. Mais après, on sait quand même combien de fois on double le score en finale. Alors, on se fait toujours égaliser.
Donc bon, voilà. Mais... Allez, Valentin. Et pourquoi pas marquer juste avant la mi-temps? Nous, ce serait plutôt sympa. Ce serait plutôt sympa. Oh, belle frappe là de Pépé. Belle arrêt de Mandanda. Yes, putain, yes. Boum. Yes, on la gagne celle-là. Bien joué. On est vraiment la paix de mort des Marseillais, les gars. On les avait battus au match aller chez nous. On les bat chez eux, on les élimine en coupe. C'est pas fou. C'est pas, non, c'est pas volé, c'est pas volé, c'était équilibré. Mais voilà, on a très très bien défendu, ce qui est plutôt rare. Enfin, pas qu'on défend mal d'habitude, mais enfin, on s'est pas pris de but. Il y a eu très peu de matchs, on a réussi à faire des clean sheets, donc là je suis content. Et qu'est-ce qui nous fait du bien cette victoire? On permet de... Ouais, bon. On a comme 6 points de retard sur l'OM, mais là, on perdait là. Le podium, c'était mort, on est toujours dans la course au podium. Il faut y croire. Hein. 80 de dribble pour Wea, c'est plutôt pas mal. Mais là, c'est bon, on finit bien l'épisode. Enfin, c'est un bon épisode, même si, bon, Dijon, j'ai un peu le seum avec 2 points de plus, on était bien. Alors, on serait passé 5ème, quoi. Mais bon, c'est serré, hein, c'est serré. Il reste 11 matchs de jeu à jouer en championnat. Et on peut finir... on peut être deuxième, les gars. On peut être deuxième comme on peut être... ouais, 9ème, quoi. Même pire, on sait jamais, mais bon. Je pense pas qu'on perdra trop de matchs non plus. Enfin, qu'on va pas non plus tout s'écrouler comme ça. Prochain match, pardon, c'est Lille. Ils sont combien, Lille? Ils sont que 10ème, donc bon. Puis là on a, ce qui est cool, c'est qu'on a déjà joué le PSG, on a joué Lyon, on a joué l'OM, donc on a joué les 3 premiers. Bon, par contre, on a perdu contre Lyon, donc ça fait chier. Mais au moins, on a moins de gros matchs, donc ça, c'est plutôt positif pour nous. Du coup, 45, on est à 3 points de la 4ème place. Donc ça va, les gars, c'est raisonnable. Mais Montpellier, ils sont pas mal du tout. Hein. Donc du coup, c'est quoi le prochain match? Lille, je viens de le dire. Putain, c'est après qu'on coupe. Caen, donc là c'est cool, on a le temps de se reposer. Donc là on met l'équipe type contre Lille, l'équipe type contre Caen. Donc là il faut 2 victoires. Et là c'est en Coupe de France, on se tape Monaco. On n'a jamais des bons tirages, hein, l'OM tout à l'heure. Parce que tu vois, Mescan frère. Putain, mais le PSG ils ont que de la chatte, ils se tapent Nancy quoi. Je suis sûr, je vais aller en finale contre le PSG encore. Il n'y a pas beaucoup de bonnes équipes hein, par PSG quoi. Et ça fait la différence. Mais bon, au moins on joue à domicile donc c'est plutôt cool. Et ils sont combien Monaco tiens? Ah, ils sont que 8ème, on a quoi. Donc bon. On va faire un petit accueil d'équipe, les gars, avant la fin de cette vidéo. Mounier qui n'a pas marqué contre l'OM. Voilà, c'est son. Je crois qu'il a déjà joué 6-7 matchs. Et en 6-7 matchs, bah, c'est la première fois qu'il marque pas. C'est beau quand même. Les attributs. Donc, on a Debuchy qui a pris un moins 1. Voilà, la vieillesse. Mais bon. Gumi plus 6. C'est bien, il augmente. Mais. Putain, il fait 1m. Ouais, mais. Il fait 1m77, mais il fait que 61 kg, quoi. Frère. Ouais, il est mec, c'est impressionnant. Enfin, pour un joueur de pro, quand même, normalement, il faut être assez costaud, tu vois, surtout en défense. Et... Enfin, même moi qui suis maigre, je suis plus lourd que lui, tu vois. Et pourtant, je suis même un peu plus grand. Non, je fais sa taille, en plus. Je fais plus de 10 kilos de lui, donc même plus que 10. Donc, ouais. Même Lacroix, tu vois, à Lacroix, il aurait fait du bien avec son 1m97. Tu vois, il y a des matchs où il aurait été utile. En Padoue, franchement. Je suis déçu en termes d'augmentation, il avait pris seulement plus 5. Alors après, dans le jeu, je suis très content parce que franchement, il fait des très bons matchs. Mais c'est vrai que pour un défenseur central, son petit kilo, c'est trop léger aussi. Hein. Mais bizarrement, ça se ressent pas autant. Donc ça va. Plus 2, Saliba plus 1. Voilà. Saliba, il y en a beaucoup qui voulaient que je fasse jouer. Mais il est pété. Voilà, très bon joueur en vrai, très prometteur, mais son FIFA, il est rincé, donc ça sert à rien. Surtout que bah, moi, quand j'ai lancé ma carrière, il avait pas encore été appelé dans le groupe, donc bah, il le connaissait pas. Là, je pense qu'il est mis à jour, il a dû être augmenté, mais bon. Perrin moins 1, bon, c'est logique, hein, il est plutôt jeune. Claude Isaac plus 1, Marizic plus 5. Il commence à avoir des sacrés stats, lui, quand même. Et ouais, il a 4 mauvais pieds, c'est plutôt intéressant. Subotic, c'est mon pilier en défense, quand même. Il fait du bien avec ses 1m93, ça rassure, franchement. Silva plus 1. Katrenis plus 1, Diussé plus. Diussé. Faut qu'il augmente un peu plus quand même. Mais il est pas mauvais franchement. Balanta plus 5. Senes plus 2. Senes très très bon. Et Villa, bah, le monstre quoi. 28 ans, il prend en plus 1. Ça fait plaisir. Il est très très bon putain. Mega plus 1. Auma moins 1 à 31 ans déjà. Putain, il perd. Bah, moi je pense honnêtement, ça va être sa dernière saison. Hein. Parce que bon, il commence à baisser. 31 ans, voilà. Mais il fait de bonnes saisons donc c'est cool. Mais Pépé, par contre, il me descend en termes de gère. Il a pris seulement plus 1 quoi. Je m'attendais à mieux, hein. Même si j'avoue que je l'ai pas entraîné, mais bon. Après, il reste bon quand même, donc c'est le principal. Ça, on s'en fout. Camara, Kabala qui augmente pas, mais bon, il a 28 ans aussi.
On s'en fout, Kazrick l'augmente pas, normal, Weah il augmente pas mal, ça va, plus 5, mais bon. Ouais, par contre, c'est il est grand, mais il est pas du tout costaud, il fait que 110 kilos aussi. Hein. 106 kilos, pardon. Et Mounier, bah la star. Simplement, et Nordin qui a pris un petit plus 3. Les stats, voilà, Mounier, 7 matchs, 7 buts. Sympa. S'il fait ça jusqu'à la fin de saison, c'est plutôt cool. Hein. Puis sinon, on va regarder les stats des meilleurs buteurs. C'est toujours Pépé au meilleur buteur, 13 buts, 8 passes D. Amouma qui est pas loin avec 11 buts. Kazri, il marque. Il est pas titulaire, mais il met des buts quand même. Il met des sacrés buts. Enfin, des sacrés buts, il met des buts. Après, il a fait 3 buts et un passe D en coupe où je simulais les matchs. Donc, voilà. Mounier, forcément. Cabella aussi, très gros joueur. Hein, franchement, il me plaît. 10 passes D, 6 buts. Envila aussi. Hein. Lui, c'est un buteur défensif. Normalement, il devrait pas être autant décisif, mais finalement, il est. Et puis voilà, bon, Weah il doit faire plus encore. Mais bon. Et niveau passe D, c'est câble là mon meilleur passeur. Voilà. Cool. Bon bah j'espère les gars que cette vidéo vous aura plu. Du coup là on aura une bonne semaine pour se reposer, donc ça va faire du bien. On va bientôt rentrer dans le sprint final, donc là il va falloir prendre des points, enchaîner les victoires. Parce que là il n'y a plus trop le droit à l'erreur, en espérant que la victoire face à l'OM va nous lancer. Du coup moi je vous dis à une prochaine vidéo, c'était Roulian, ciao!